On en a ras-le-bol, on en a marre, il faut que la Dirama trouve des solutions adéquates pour satisfaire les clients qui sont toujours des bons payeurs, se sont exclamés les habitants du secteur 1 aux 67 hectares nord-ouest ce matin. Cela fait déjà une semaine que les habitants vivent dans le noir. L'électricité ne marche que 2 à 3 heures dans la journée, se plaint une habitante du quartier. D'après une mère de famille victime de ces coupures, les matériels électroniques et électroménagers, dont une caisse enregistreuse, 3 réfrigérateurs, un congélateur à glace et un réfrigérateur à gâteau ont explosé à cause de la fluctuation de la tension électrique. La réparation de ces appareils endommagés coûterait au bas mot 2 millions d'ariaries. Et s'il fallait les remplacer, il lui faudrait trouver près de 5 millions d'ariaries. Selon ses dires, ces coupures ont commencé dimanche dernier dans la soirée, mais le courant a été vite rétabli. Et depuis mardi, les coupures ont repris bel et bien pendant des intervalles de temps de plus en plus longs. Et quand le courant venait à être établi, c'est pour être ponctué par des instabilités de la tension électrique. Un cybercafé a décidé de fermer boutique. C'est la voisine qui a indiqué que le cybercafé a vécu un véritable cauchemar. Ses 6 ordinateurs ont tous explosé. D'après un autre usager de la Dirama, la tension de l'électricité varie entre 140 volts et 400. Ils l'ont contrôlé avec des appareils adéquats. Durant notre passage, cette tension était de 166 volts. Pour Arsène, un gargotier de 67 hectares nord-est, cette fluctuation de la tension électrique est bien réelle. Les images que nous avons prises en témoignent. D'après ses explications, il a déjà changé 4 fois ses ampoules. Il a été se plaindre auprès de la Dirama, dont les agents l'ont plutôt abroué. Pour prouver leur mécontentement, les usagers de la Dirama aux 67 hectares nord-est ont organisé une manifestation contre les multiples déboires.